Avallon, haut perché dans le parc naturel régional du Morvan. Elle se trouve sur un plateau qui domine cette petite rivière, le Cousin. Avallon est une cité fortifiée. Ses remparts, ses tours et ses bastions contribuent au charme de la ville. Avallon, c'est aussi la porte du Morvan. Ici, c'est la tour Gaujard. Nous sommes sur une partie des remparts d'Avallon. En face de nous, c'est la tour de l'horloge. Elle est haute de 49 mètres et a été construite en 1456. Elle servait à un guetteur pour surveiller les environs et donner l'alerte. Ici, c'est la collégiale Saint-Lazare, construite au XIIe siècle pour accueillir les pèlerins attirés par les reliques de Saint-Lazare. Il existait une petite église bâtie au 4e-5e siècle. Nous allons passer sous la tour de l'horloge, avec la perspective d'une rue commerçante et semi-piétonnière qui conduit jusqu'à la place Vauban. Ce bâtiment était une ancienne halle au grain et a appartenu à la Caisse d'épargne locale en 1889. Elle est maintenant devenue la bibliothèque municipale. Ici, c'est le marché couvert. Le bâtiment a été construit en 1939. Le bâtiment en face, sur la droite, c'est la mairie d'Avallon.
Au bout de ce parking, c'est le centre hospitalier d'Avallon. Voici une statue de Vauban par Bartholdi, le sculpteur, et qui date de 1873. Nous sommes bien évidemment sur la place Vauban, et ensuite nous prendrons la rue semi-piétonnière du centre-ville. Cette rue, dans le centre historique de la ville, accueille de nombreux commerces. Nous retrouvons notre tour de l'horloge.